cool, vieux. Cool, Jules, tu vas te décrocher la tête, là. Arrête. Je te jure, cette fille, c'est une exception. J'ai jamais rien vu de plus beau. Mieux que Julia Roberts dans Notting Hill? Gros. Ça n'a rien à voir. Ok. Attends. Qu'est-ce qu'elle lit, là? Victor Hugo. Ah, mais d'accord. Une intello. Non, t'as aucune chance. On parie? Je te rappelle qu'on avait déjà parié sur Julia Roberts et que t'as perdu. Mais ça, c'est différent. J'avais pas eu les moyens de financer mon billet jusqu'à Los Angeles, mais là, laisse-moi faire, c'est pas pareil. Ah d'accord, c'est pas pareil. C'est vrai, c'est moins loin que Los Angeles, mais t'as quand même aucune chance. On va voir. Excuse-moi de te déranger, je peux te demander un truc? Si tu veux. Tu t'intéresses à Victor Hugo? C'est l'un de nos plus grands écrivains, pourquoi? Écoute, c'est extraordinaire. Ça fait au moins un mois qu'on cherche quelqu'un comme toi. Qu'est-ce que tu me racontes? Des étudiantes en lettres, il y en a plein à la fac. Ouais, mais toi, c'est pas pareil. On cherche une passionnée de Victor Hugo. Et toi, ça se voit tout de suite, t'as exactement le profil. Attends, je t'explique. On monte un site internet, victorhugo.com. Tu vois le style? Victorhugo.com. Ouais, je sais, ça paraît un peu barge. Mais c'est justement pour ça que ça a marché. Tu te rends compte, on a fait des sites sur tout, mais il n'y en a pas un seul sur Victor Hugo. On a vérifié, hein. Et personne n'a eu l'idée avant nous. Et ça consiste en quoi, votre site? À générer le maximum de trafic. Tu imagines le nombre de connexions qu'on peut avoir avec Victor Hugo? Non, pas très bien. C'est illimité. À partir de l'instant, on a un portail. On emmène les gens où on veut, on fait des liens et hop, c'est parti. Attends, tu veux dire que tu peux leur vendre n'importe quoi? N'importe quoi, non. Mais des produits en rapport avec Victor Hugo. Tiens, attends, par exemple, des voyages à Jersey ou à Guernesey, en pèlerinage sur les lieux de son exil, ou des collections de ses bouquins introuvables. Enfin bon, on n'a pas tout défini, mais je suis sûr qu'avec quelqu'un comme toi, on pourrait trouver plein d'idées. Je suis pas très sûre, tu vois. Écoute, je vais te laisser ma carte. Essaie de passer nous voir, hein. Je t'expliquerai mieux et je t'assure, c'est vraiment passionnant. Je verrai, merci. Ok, j'attends ton appel, hein. Il y a mon numéro de portable sur la carte. Oui, d'accord, mais n'y compte pas trop, c'est pas vraiment mon truc. Un de ces jours, hein. T'as pas dit combien on parlait? Ça vaut combien un billet pour Los Angeles? Excuse-moi, je vois pas le rapport là. Bah, finalement, je crois que je préfère Julia Roberts. Bien! Hein. Bon, on y va? C'est pas lui là? Bah non, ça n'a rien à voir. Salut Bernard. Excuse-moi, c'est ton ex. Alors, comment il est, tiens? Oh, super beau. Dès que je l'ai vu, je suis restée comme tétanisée. Tu peux pas savoir comme il est beau. Tiens, tu vois Tom Cruise? Ouais, pas mal. Bah, c'est encore mieux. Mieux que Tom Cruise? Ouais. Mission impossible. Très drôle. Pourquoi tu as pas sauté dessus pour savoir comment il s'appelait? Écoute, il est tellement beau que ça m'intimide. J'ai peur qu'il n'existe pas et que si je lui parle, il disparaisse pas, comme un rêve. T'exagères un peu quand même. À peine, je te jure, il est super beau. Ah bah dis donc, ça donne envie ce que tu dis. Ouais. Ah, attends, excuse-moi. Salut Gérard. Salut. Encore un ex? Oh, je suis restée 2 jours avec, non. Ah, c'est pas lui, là? Arrête, c'est comme si tu comparais un microbe à la galaxie. Bah non, apparemment, il est pas là. Mais t'es sûre qu'il est étudiant? Bah oui, je l'ai vu la dernière fois à la bibliothèque. Y a que les étudiants qui ont le droit d'y aller, non? Ouais. J'ai rendez-vous avec Sandra à la cafette. Okay. Tu fais quoi, toi? Faut que j'y aille. Mais je dois voir Benoît pour lui annoncer que c'est terminé entre nous. Déjà? Je rencontre un mec super. Il s'appelle Renaud. Il est génial, si tu savais. Encore? Salut. Et lui aussi? Non, pas encore, mais ça pourrait se faire. Je sais pas comment tu fais pour changer sans arrêt de fiancé, hein. C'est pas ma faute. Je rencontre toujours un mieux que celui que j'ai. Ça en devient fatigant. Écoute, fais quand même gaffe à pas te retrouver toute seule à la fin, d'accord? Oh, t'inquiète pas, regarde, il y a de la réserve. Je risque pas de tomber en panne. Ouais, bon, enfin. Bon, je vais être en retard, sinon Sandra va m'engueuler, ok? Ok, ben écoute, je fais vite et je te rejoins. D'accord. Géraldine. Salut. Ça va? Bon, tu veux quelque chose? Non, non. Thank you.
on passe l'après-midi ici, là? Tais-toi, je l'observe. La première qualité d'un chasseur, c'est de bien connaître sa proie. Ça, je sais. Tu m'as emmené 11 fois voir Julia Roberts dans Notting Hill, c'est bon. D'ailleurs, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, ce film. T'as abandonné? Non, j'ai acheté le DVD. Laisse-moi me concentrer. Excuse-moi, je suis en retard. Bah ouais, il était temps. Alors, tu l'as retrouvé? Non, pas encore. Ah. Je me demande où il est passé. Hein. Je vais peut-être rêver, finalement. Oh là là, tu crois que c'est ça? Oh, j'en sais rien. Bon, tu viens, on y va. Il y a un mec qui arrête pas de me dévisager depuis une heure et ça commence franchement à devenir lourd. Mais ouais, lequel? Tu vois là-bas, la table derrière? Ouais. Essaye d'être discrète, s'il te plaît. Oh, t'inquiète pas. Qu'est-ce qui t'arrive? Barbara, ça va? Qu'est-ce que tu dis? C'est lui, Sandra, c'est lui. Qui c'est, lui? Mon Tom Cruise. C'est lui, c'est celui qui est assis à côté du mec qui te regarde depuis une heure. Le bleu? Mais non, le grand brun. Mais c'est le grand brun qui arrête pas de me regarder depuis une heure. Il est même venu me raconter une histoire de Victor Hugo sur Internet à laquelle j'ai absolument rien compris. Tu veux me piquer, c'est ça? Une main comme toi, je te le laisse. Et s'il te plaît, arrête de le dévisager comme ça, il va revenir à la charge, ok? Voilà. Mais Sandra, attends. Quoi? Mais j'attends que ça, moi. Bon, allez, viens, sinon je vais tomber. Allez. Bon, de toute façon, il faut que tu me dises tout ce qu'il t'a dit. Hein. Vous êtes copine? Ouais. Elle a l'air bizarre, non? Ouais. Je crois qu'elle a un problème. Je l'ai croisée hier à la bibliothèque, elle faisait déjà la même thèse. Mmh. À mon avis, c'est une spasmophile. Tu crois? Ouais, je me suis presque sûr. C'est que j'avais une cousine comme ça. Elle avait des crises, il fallait absolument qu'elle avale du magnésium. Où est-ce qu'on peut trouver du magnésium? J'en sais rien, t'as une pharmacie ou quoi? Hein. Vas-y, tiens, fonce à la pharmacie, rapporte-moi tout ce que tu peux comme magnésium. Mais tu délires ou quoi là? Mais non, attends, si je sauve la copine, je multiplie mes chances par 3. Vas-y, je te dis. Ok. Signe du destin, je te jure que c'est un signe du destin. Non, mais ça va, tu t'ennuies maintenant, on peut y aller? Bah, y aller? T'es folle! Je rencontre l'homme de ma vie que je cherche depuis 3 jours et toi tu veux que je le laisse envoler? Non, mais ça va pas! Ah bon, d'accord, j'ai compris. Je te laisse, ok? Mais attends, tu peux pas me faire ça, Sandra! Écoute, c'est toi qui es amoureuse de lui. Mais t'es ma meilleure amie et puis t'as même proposé de travailler avec lui. Bon, viens, on va le voir et tu vas lui dire que c'est d'accord pour son site, ok? Non, écoute, t'es complètement folle, c'est n'importe quoi son histoire. Mais viens, je te dis! Le tout, c'est de pas le laisser filer. Tu vas me le présenter et puis on va faire semblant de s'intéresser à son histoire. Puis après, tu me laisses faire, ok? Allez, viens! Non, je t'en supplie, Barbara, merci. Oh, mais j'ai besoin de toi! Oh, viens! Salut! Salut! Elle m'a parlé de ton site sur Victor Hugo. On trouve ça vachement intéressant toutes les deux. On peut s'asseoir? Oui, sans problème, assieds-toi. Moi, c'est Barbara et elle, c'est Sandra. Tiens, Sandra, assieds-toi. Et toi, c'est quoi ton nom? Moi, c'est Julien. Oh, Julien? Comme Julien Cruz? Non, rien. Julien, c'est super joli, j'adore. Ça y est, j'ai le magnésium. Il te faut un verre d'eau. Je te jure, je comprends vraiment pas ton délire, quoi. Et ça t'a pris comme ça? T'en as pour combien de temps? Eh oh, ça va, 5 minutes, on n'est pas aux pièces. Je me suis rien avalé depuis ce matin. Fred va te ramener une pizza. Ouais, bon. En tout cas, tiens. Je te jure que ton autre idée était vraiment meilleure. Une agence matrimoniale pour animaux, ça au moins, c'est un jeu. Voilà! Tout ce que j'ai pu trouver sur Victor Hugo. T'as pensé à ma pizza? Ah non, désolé vieux, j'ai pas eu le temps. Hein. Alors je te mets ça où là? Pose-les un peu partout dans la chambre, comme si on passait notre temps à les lire.
Et t'aurais pas pu trouver un moyen un petit peu plus simple pour draguer cette fille? Je suis désolé, non. Hein. Bon, maintenant il faut assurer. Ils sont où les autres volumes? Bah partout. Ok. Hé, hey, il te faut combien de temps pour scanner les misérables? T'as rien vu quoi? Ah mais attends, on peut commencer par les couvertures et les résumés, tu lui as dit que le site est en développement. Ça devrait aller. Combien de temps pour les couvertures et les résumés? Je sais pas, moi 3 heures. Elles arrivent dans 2 heures, alors bon, on se met le turbo. Ça va, ça va, ça va. Et ma pizza? Plus tard. Je sais vraiment pas pourquoi je fais tout ça, moi. Mais parce que t'es comme moi, t'es un pote, et puis t'es trop gentil avec tes potes, alors forcément, faut que ça des potes. Hey Fred, on arrête de faire de l'humour et on bosse, ok? Finalement, je me demande si je préférerais pas Julia Roberts, moi. Peut-être qu'il a commandé par téléphone. Qui c'est, Julia Roberts? Bah non, ma pizza. Il reste du blush, le mien est tout sec. Regarde dans ma trousse. Oh là là, tu peux pas savoir dans quel état je suis. J'ai les mains qui tremblent, j'arrive à peine à me maquiller. Ah, voilà, super. T'es sûre que t'es obligée de te maquiller autant? Bah, tu te rends pas compte, faut que je sois canon. Et un canon, ça sent la poudre, bien sûr. Non, je plaisante, n'exagère pas quand même. Oh, t'inquiète. Mais t'es sûre qu'il te plaît pas un peu? Non, tu sais, les gravures de mode, c'est vraiment pas mon style. Je sais pas ce qu'il te faut, attends, moi, un mec comme ça, y a de quoi... Y a de quoi se faire faire une liposuction, attends. Une liposuction. T'as vu ses yeux? Oui, bon, c'est vrai qu'il a de beaux yeux. Oh, et ses dents? T'as vu ses dents? D'accord, il a un joli sourire. Et ses épaules? Oh, non, mais attends, t'as vu les épaules qu'il a? Oui, il a une belle carrure. Et ses fesses? T'as vu quand j'ai fait tomber ton bouquin qui s'est baissé pour le ramasser? D'accord, c'est pour ça. Évidemment, fallait bien que je trouve un truc, hein. Non, mais sérieusement, t'as vu ses fesses? Oui, bon, c'est vrai qu'il est plutôt pas mal. T'as raison, hein. Finalement, il me plaît bien. Bah, arrête, me dis pas ça. Je te fais marcher, je te jure que je te le laisse. Tu sais, tu peux prendre le copain si tu veux, il est pas mal, hein. Ah non, non, t'inquiète pas, hein, tout va bien. Comme tu veux. Bon. Tu me trouves comment, là? Très bien. Oh, salut. Je suis crevée. Oh, désolée, je suis en retard. Je vous ai raté à la cafette. C'est pas grave. Ça y est, je l'ai retrouvée grâce à Sandra. On a rendez-vous avec lui dans 1 heure. Enfin bon, je t'expliquerai. Et pour toi, ça s'est passé comment avec Benoît, alors? Oh, très bien, il a un peu pleurniché. Mais il s'y attendait, en fait. En revanche, avec Renaud, ça va être plus dur. C'est le genre à s'accrocher, j'en suis sûre. C'est qui, Renaud? Renaud, c'est le mec pour qui j'ai plaqué Benoît. Pourquoi tu veux rompre si tu viens de quitter Benoît pour lui? Finalement, il me plaît pas tant que ça. Et puis aujourd'hui, j'en ai rencontré un beaucoup plus charmant dans le bus. Enfin, je vais me débrouiller. Et vous alors, racontez-moi. Voilà. Ça va comme ça? Tu crois que ça, ça va faire illusion? Pour deux nanas étudiantes en lettres, ouais, c'est pas mal quand même. Enfin bon, c'est pas bouleversant, hein? Mais bon, ça devrait passer. C'est pas bouleversant? Eh bah tu m'en trouveras beaucoup, t'as des gugus capables de te faire un faux site internet en moins de 2 heures. Ouais, calme-toi, Jérémy, Julien, t'es un peu nerveux, c'est tout. Ouais, ouais, enfin bon. Mais cette nana, c'est de la balle à ce point? Je peux pas imaginer, c'est du rayon laser. Je sais pas, moi, par rapport à Cameron Diaz, par exemple. Rien à voir. À Claudia Schiffer? Rien à voir. Laetitia Casta? Rien à voir, rien à voir. Jennifer Lopez? Mais bon, c'est bon! Oh. Je vais pas nous faire tout l'annuaire du cinéma et des top modèles, là. Bon, t'as raison. En tout cas, vu l'état dans lequel tu es, il me tente de la voir. Attends, plus qu'un quart d'heure de patience. Bon, moi, je vais prendre une douche. Jérémy, t'es sûr que tous tes liens fonctionnent? Eh, tu me prends pour qui? Pourquoi tu comptes t'attacher? Je parlais des liens hypertextes, banane. Bon allez les garçons, vous me rangez ça un peu. Hein. Ouais, et tu veux pas que je vienne te frotter le dos en plus, non? Excuse-moi, je suis un peu nerveux en ce moment, ok? Bon allez, j'y vais. Et tu mets pas de l'eau partout! Ok. Oh, je sais pas ce qu'elle lui a fait, mais en tout cas, il est dans un état. Mais attends, je vais te dire, au moins ça change de Notting Hill. Hein. Et ma pizza au fait, t'as appelé? Ouais. J'ai oublié de te dire, excuse-moi. Ils sont en grève. Ils sont en grève.
Un gâteau. Voilà. Alors, tu me trouves comment? Très jolie. T'es sûre? Mais oui, c'est ça. Tu crois pas que je devrais rajouter un petit peu dans ma paupière là? Non, non, surtout pas, ça gâcherait tout. Arrête, s'il te plaît. Arrête. Voilà les filles, je suis prête. On y va? Mais tu viens avec nous? Bah attends. Tu crois quand même pas que je vais rater un mec aussi beau que Tom Cruise? Ah bah tu sais, je parle. Mais en fait, il est vraiment pas si terrible que ça, hein, Sandra. T'en fais pas. On va te le laisser ton petit bijou. Je pique jamais le mec des copines. Sauf si elles sont d'accord. Ça m'arrange que tu viennes. Si jamais ils viennent trop lourds, au moins avec toi, je suis sûre que ça traînera pas. Ça, tu peux me faire confiance. Je suis spécialiste des ruptures. Bon, allez, les filles, on y va? Oui. On y va? Oh là là, j'ai le cœur qui bat à 300 à l'heure. Vous avez vu le temps qu'il fait? On va jamais réussir à trouver un taxi. Sois optimiste, sinon on prendra le bus. J'ai une idée. Bougez pas. Mais t'appelles un taxi? Oui. Benoît? C'est moi. Dis-moi, ça t'ennuierait de venir nous prendre en voiture? Ben oui, on a un rendez-vous. Et avec le temps qu'il fait dehors... Ok, c'est gentil. On t'attend, hein, tout de suite. Mais attends, t'as rompu avec lui tout à l'heure? Avec lui? Mais pas avec sa voiture. Allez, dépêchez-vous, il arrive. On y va? T'es toujours aussi marrant, toi. T'es sûr qu'elle va arriver? Mais ouais, je vais filer mon numéro de portable, elle aura appelé. Je parlais de ma pizza. Mais non, Sandra, ben... Bon, et vous avez rien rangé du tout, hein. C'est que je commence à avoir vraiment faim, moi. Ça, ben, ça me rappelle quand on est allé attendre Julia Roberts devant son hôtel quand elle était venue à Paris. Ouais. Ouais, et il a quand même mis 4 heures à se décider à partir avant de comprendre qu'il la verrait jamais. Elle était sortie par une autre porte. Non, mieux, elle était carrément dans un autre hôtel. Ouais, bon, ça n'a rien à voir. Hein. Julia Roberts, c'était pas pareil. C'était un rêve, un fantasme. Bon, allez. Ah, bah c'est bien, tu le reconnais, enfin. Oui, je le reconnais. Et alors, on a tous le droit de s'étourdir avec son imaginaire quand on n'a pas encore rencontré la réalité. C'est beau ce que tu viens de dire. Moi, je vais aller m'étourdir avec une pizza imaginaire aussi. Le fromage bien fondu, les petites olives noires, la pâte croustillante. Bon, range ta pizza, file-moi ta place. Et toi, Fred, va ouvrir la porte, s'il te plaît. Je peux pas lui ouvrir la porte, moi, des fois que ce soit le livreur de pizza? Si, débrouille-toi, allez, vas-y. Okay. Allez, Fred, active-toi. Toujours aussi rapide, toi. Hein. Salut, on vient voir Julien. Ouais, bien sûr, allez-y, entrez, il vous attend. Moi, c'est Jérémy. Enchanté. Moi, c'est Barbara, elle, c'est Sandra et Géraldine. Votre titre sur Victor Hugo était tellement passionnant qu'on est venus toutes les trois. Salut. Salut. Julien n'est pas là? Si, il est là. Il est là. Julien, nos amis sont arrivés. Attends, j'en ai pour une seconde. Ah, c'est vous. C'est sympa d'être venu. J'espère qu'on ne dérange pas trop. Non, j'étais en train de finir de programmer un truc. Enfin bon, vous savez ce que c'est l'informatique. Ça prend toujours un peu la tête. Ouais, bien sûr. Bah, installez-vous, mettez-vous à l'aise. Vous êtes trois? Ah bah, ça tombe bien. Nous aussi, on est trois. Je te présente Géraldine, elle habite avec nous. Salut Géraldine. Pas Tom Cruise, moi. Pardon? Bon, laisse-moi, c'est pas grave. Alors, il est où, ici, sur Internet? Ah, il est ici, venez voir. Tiens, Sandra, prends une chaise. Je prends une pour Géraldine. Excuse-moi. Jérémy va vous faire une petite démonstration. C'est lui le manuel. Moi, je me contente de concevoir. Attends, je peux essayer? J'adore l'informatique. Vas-y. Mais il est complètement bidon, votre site. Il n'y a rien dedans. Bah, tu sais, on a fait ça vite, hein. Pardon, on commence, hein. Mais justement, c'est pour ça qu'on a besoin de votre aide. Attendez, il n'y a aucun concept là-dedans. Vous êtes contenté de scanner une dizaine de trucs sur Victor Hugo. En plus, c'est pas très bien fait. Bah, j'ai eu 2 heures, hein, tu comprends. Bon, Julien, je crois qu'il vaudrait mieux leur dire la vérité, non? Ok. En fait, on a inventé tout ça pour avoir une chance de vous revoir. En réalité, on fait de la musique. C'est vrai? Oh, mais c'est génial! C'est beaucoup plus sexy que l'informatique. Et vous jouez de quoi? Oh, moi du piano et je chante un peu. Et moi de la guitare. Et moi de la basse. Ça va?
Je te demande pardon. Ça va être dur. À moins, tu me chantes une chanson? Ça, c'est quand tu veux. Et après, on vous invite à dîner. Une bonne pizza, ça vous dit? Ces mots d'amour effleurant doucement tes lèvres, ces mots d'amour qui me hantent toutes les nuits, viennent me rappeler l'instant où l'on s'est rencontrés. Je t'ai pris la main et là tout a commencé. Oh, la pizza était vraiment délicieuse quand même. Faudrait y retourner dans ce restaurant, non? Pas de problème, de toute façon, ils nous ont invités demain soir. Qu'est-ce qu'on fait? On y va ou pas? Pourquoi pas, ils sont sympas, non? Ouais. Oh, puis c'était tellement mignon d'avoir imaginé tout ça pour nous revoir. C'est vrai. Eh, Julien, il chante pas mal, hein, Sandra? Ouais, pas mal. Ouais. Et pourquoi tu lui as pas dit que tu chantais, toi aussi? Oh, je sais pas, tu sais, ça s'est pas présenté. Vous avez vu comme Jérémy est drôle? Il a pas arrêté de nous faire rire de toute la soirée. C'est vrai qu'il est marrant. Enfin, moi, c'est Fred que je préfère. Ah ouais? Ouais. Je sais pas, je crois que je le trouve encore plus mignon que le mec de l'autobus. Jusqu'à demain, probablement. Oui, c'est vrai que je suis un peu comme ça. Qu'est-ce que vous voulez faire? Enfin, on faudra pas trop tarder à se coucher quand même, les filles. Moi, demain, faut que je sois en forme pour rompre avec Renaud. Mais moi, je suis crevée, hein. Dis donc, en fait, toi, Tom Cruise, là, tu t'en es pas vraiment beaucoup occupé pendant le dîner? Bah non, tu vois, finalement, il est super beau, mais il y a quelque chose qui colle pas, en fait. Ah oui. Mais je sais pas quoi. Moi, à mon avis, c'est Jérémy qui colle plus. Tu l'as pas lâché? Bah, tu sais, l'humour, c'est quand même vachement important, hein. Ouais. Bon, en tout cas, les filles, pas de regrets. Je vous laisse Julien. Ah. Attends, stop. Finalement, moi, il me plaît bien. Ah ouais? Ah ouais? Ouais. Ouais. Bon, allez, au lit. Allez, bonne nuit, les filles.